Milliardaire, l'hydrote royale, ouais! Bien, bonjour tout le monde, les fans de Monster Hunter. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de MMAL Uber Games. Donc, vous remarquerez que c'est en français, donc que c'est particulier. Hein? Donc, aujourd'hui, je suis dans Monster Hunter 4, hein, donc j'ai fait d'autres vidéos en anglais avec d'autres types. Hein. J'avais la flemme de mettre des liens dans la description, j'en ai pas mis. Hein. Enfin, que je me souviens plus trop comment on fait aussi, donc je pense à regarder les autres vidéos pour la prochaine fois. Je sais que tu peux changer la description, mais j'ai la flemme. Ok? Puis j'ai la flemme, là j'entends de. Donc voilà. Aujourd'hui nous allons. Salut la fille de la Jean, allez, fais-moi des quêtes qui sont cool pour une fois. Mais ça. Ah bah voilà, bah je vais chasser le. Le Tetsubaka. Je sais pas si c'est Tetsubaka, Tetsuburaka, Tetsubakura. Et merde! Je sais pas, peut-être qu'il s'appelle les merdes, donc il dit ah salut, je suis un chat et je fais de la bouffe, ça n'a absolument aucun sens. Oui, parce que les chats sont cuisiniers professionnels. Et non, je ne suis pas un nudiste dans ce jeu. Ça c'est l'armure en Kirin, le reste de l'armure a l'air encore plus pédé, alors vos gueules. D'accord, hein. J'ai tout préparé. Et donc, je vais faire la voix du monstre. Oh, pourquoi je l'ai dit? En fait, je m'en bats les couilles complètement. Donc, en fait, pour ceux... Parce que Monster Hunter 4, en fait, n'est pas encore sorti en France. Donc, c'était pour vous donner un peu une avant-vue. Alors, si vous voulez vous abonner, ben, faites-le. Hein. Je serai pas déçu. Bon, on va chercher le Tetsuburaka. Ah, mon Dieu! En fait... Ce jeu il est réaliste, hein. Il y a juste que tu survives aux chutes, mais ça c'est grâce à ton armure surpuissante. C'est pour ça en fait, hein. Donc non, ça me dit rien. Je ne sais pas ce que je vais dire là. Je sais pas ce que je vais dire, mais putain, j'improvise trop la merde. Oui, j'improvise beaucoup. Donc là, c'est un peu dark. Bon, en fait, je doute que quelqu'un saute comme ça dans la vraie vie, quand même. Ah oui, c'est vrai. Attends. Je crois que ma mère m'a parlé de ce truc-là. Pareil que ça s'appelle la gravité. Ça te retient au sol. Oh, putain, oui, c'est vrai, il y a la gravité. Je me souviens quand même. Lol. Voilà, c'est le Tetsubaka. J'ai une auto-garde, je sais pas pourquoi, c'est un talent dans mon armure. C'est un truc qui est pour les à charger en général. Ah oui, il est à charger, hein, je voulais vous parler de ça. Ah merde. Mon arme, elle est nouvelle, mais pas trop en fait. Hein. C'est un mix de nouveau et pas nouveau. Donc là, à charger est une nouvelle arme. Et le Rathalos, hein, bah, c'est un des premiers. Après la Rathian, hein. Le premier grand monstre inventé, je crois que c'était la Rathian. Mais après tout, je suis pas sûr. Hein. Donc là, c'est le Tetsubaka. Regardez le regard, ces mouvements-là. Putain, ce mec, il est rangé ou quoi? Merde. En fait, il ne fout que dalle et c'est pour ça qu'on reconnaît qu'il est de. Donc c'est bien. Ouh là là, c'est passé quoi là? Bon, moi, je l'ai fichu par terre. Donc là, à charger est une arme avec la plupart des commandes qui ressemblent à l'épée et bouclier. Au départ, hein, vous voyez que c'est une épée et bouclier au départ, finalement. Hein. Ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Si vous êtes un fan de Monster Hunter, vous connaissez tout ça. Donc ça, c'est la hache chargée en Rathalos. Hein. C'est pour ça que je dis nouvelle, mais pas trop. Et là, il est en train de faire un truc que j'appelle le combo nuke cheaté. Parce que c'est un combo et qu'il est aussi puissant qu'un nuke et qu'il est cheaté.
Là, je suis en train de lui enchaîner les méga attaques, là. Ah bah oui, et bien sûr, hein, le meilleur endroit pour boire une potion, hein, c'est devant un monstre avec une noire chargeante dans une caverne qui peut t'asphyxier. Hein. Écoute, putain, on est dans Monster Hunter, là, hein, je m'en bats les couilles de ce que je fais. Hein. En plus, j'ai eu d'argent de mystère pour le chestmail. Hein. Et le rêve de l'armure, hein, c'est pas très classe quand même. Hein. C'est que cette partie-là qui est cool, en fait. Tout qui a l'air à peu près cool. Donc ce monstre-là, tu peux lui péter. Tu peux lui péter les dents. Faut croire que ces trucs, elles sont si faciles à péter, mais si se les brosser un peu. Ah bah oui, c'est moi le Tetsubaraka, je me suis pas brossé dents depuis 50 000 ans. Attends, est-ce que tu peux vivre 50 000 ans? Attends, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Je tiens à rappeler, les amis, que... Bon, en fait, je fais cette vidéo pour vous montrer un peu Monster Hunter 4. Hein. C'est un petit gameplay en français, aussi un peu parodique, parce que... Parce que je sais pas ce que c'est que la gravité. Ah oui, je sais. En tout cas, ton personnage, il sait pas ce que c'est, hein. Bah non, il sait pas, putain, c'est un personnage dans un jeu vidéo. Écoute, les personnages dans les jeux vidéo sont tous super cons. Tu peux t'embarquer, ouais. Arrête de faire le combo nuke cheaté. Ça fait chier. Combo nuke cheaté, il le fait très chier. En fait, j'aurais voulu prendre le staff, c'est la deuxième nouvelle arme. En fait, pour vous montrer les trucs où tu peux monter sur le dos des monstres et après les... En fait, oh putain, mais pourquoi tu as fait ça maintenant? Écoute, pourquoi tu l'as pas fait quand j'avais fini mon super conroir de ma arme? Putain! Ah bon, là, il est en train de ramper, donc c'est une bonne chose, mais quand même... Pourquoi? Oui! Attends, putain, je... Bientôt, nous allons entrer dans une zone super stylée, alors préparez, vas-y, hein. En fait, je suis 6 étoiles et j'ai tué plusieurs Darren Moran, hein, je suis 6 étoiles. Je suis situé le Shagaru Magara, qui est la sous-espèce du... Que Magara... Voilà, je doute... Attends, je vais vous montrer le truc, là. Si tu peux monter sur le dos du monstre, ce stade-là. Ah, voilà, tu peux maintenant. Oui! Voilà, il crie, arrête de gueuler. Donc en bas, vous pouvez voir qu'il y a une petite jauge qui se remplit, en fait, c'est que si hein, le Pac-Man qui te rattrape, et ben t'es fucked. Et oui, je suis bilingue. Ça, je crois que vous l'avez déjà remarqué. Hein. Si vous regardez mes autres vidéos, hein, vous avez remarqué que je suis bilingue. Penteur de merde. Que moi j'ai effectué des techniques très bien bizarres pour me vanter. Genre, c'est qui les chatons? C'est qui les chatons? C'est moi! Hey, je rends vraiment les gens jaloux comme ça! Hein? Parce que quand t'as l'air d'endort et qu'en même temps t'as une bonne raison de la péter, et ben ça fait chier les gens! Et oui? Et parce que moi je sais comment faire chier les gens. Ah putain. Oh, comment je vais t'exploser là? Vas-y, le méga coup là, boum boum. En fait, ce coup là qu'il spam en permanence, s'il le spammait pas, ben c'est pas que t'as gagné d'avance, mais enfin, c'est un peu quand même. Oui, c'est ce que tu as gagné d'avance. Wop. Ah bah voilà. Tiens, dans ta grosse face, il est où le skip là? Donc aussi, ah bah ça, en fait, ça... Est-ce que les monstres maintenant, les grands monstres, hein, quand ils sont morts, et ben tu peux quand même les attaquer, hein. Ben ça doit donner des trucs bizarres quand t'es à l'intérieur du Darren Moran. Ah bah tiens, je vais attaquer l'air. Ah merde, l'air est beaucoup trop solide pour moi. J'ai que des visages jaunes, lol. Ah. Attends, je vais lui faire le, là je vais faire un truc vraiment pas sympa dans sa grosse gueule là. Boum.
Et boum, et boum, attention, le méga coup dans ta face quand t'es mort. Boum, bam, 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 bam. Aussi, c'est une espèce de coup avec certaines haches chargées. En fait, ça peut rendre KO le monstre. Là, ça a du... Ça peut rendre KO, donc. On remarquerait que cette arme, au départ, elle a... Ah bah, trop tard. De l'aiguisage... vert. Voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit. Et oui, je l'ai dit. Donc, en fait, j'ai fait cette vidéo juste pour vous montrer un peu ce que c'est que Monster Hunter 4, parce qu'il n'est pas encore sorti en France. Et le jeu et la Nintendo DS sur laquelle, la Nintendo 3DS sur laquelle je suis en train de jouer viennent du Japon. Hein. Donc, si vous voulez faire pareil, voilà. Donc, je serai probablement au Paris Games Week. Hein. Donc, voilà. Je ne montre pas mon visage sur YouTube. Ça veut dire que vous avez 0,00001% de chance de m'y trouver. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et ben voilà quoi, j'espère que vous avez apprécié. Au revoir.